Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dictionnaire de rimes. À quoi ça sert les rimes? À faire des chansons. À quoi ça sert les chansons? À faire de l'oseille. Pas n'importe quelle chanson. Parce que Prévert, Cosma et toute la bande, moi je veux bien. Mais sur l'ensemble d'une carrière, à part les feuilles mortes se ramassent à l'appel, où et quand ils ont été classés, je m'excuse, c'est pas pareil. Tandis que moi, sur quoi vous avez dansé l'été dernier? Dansons un dernier été. Marions nos sensualités. Présents dans tous les hit parades, box-office et tout le bazar, pendant 14 semaines dans 18 pays, allons-y, gling. Moi, c'est pas les feuilles mortes, c'est l'oseille que je ramasse à l'appel. Et sur quoi vous avez dansé l'été d'avant? Petite fille de l'été d'avant, petite fille, mon cœur s'en va les pieds devant. All together avec moi. Qui c'est qui a fait les paroles? Ah non, c'est pas lui. Oh bah non, c'est sûrement pas lui. Lui, c'est le chanteur, il fait pas ses paroles. Oh, lui, écrire des paroles, arrête. Lui, il s'amène sur scène au dernier moment, tout bronzé, tatoué, lifté, dans son costume à paillettes. Immédiatement, il se traîne par terre. Allons-y, la solitude, la vie, la mort, la coiffure. Arrête, je peux pas rire. J'ai glissé sur le bord de ma piscine, c'est du marbre. Ah non, il fait pas ses paroles. Lui, quand il veut écrire son nom, faut d'abord qu'il fasse deux poches de bâton pour s'entraîner, alors... Ah, les paroles, ça risque pas d'être lui, hein, c'est moi. Pas n'importe quelle parole. Moi, en général, je mets une petite fille, une petite plage, que malheureusement, l'amour meurt avec l'été, tu vois. Et puis, si possible, un peu de nostalgie là-dessus, comme au coiffeur, justement, tu dirais un petit coup de lac. Genre, en ce temps-là, je savais pas à quelle heure il est. Le Tour de France tournait en rond. Elvis était mort à L.A. Johnny chantait d'Adouron-Ron, allons-y, Gling. C'est avec celle-là que je me suis payé le manoir que Balzac, d'après les dépliants, venait s'y délancer dans un site enchanteur. Alors, je sais jamais si c'est Balzac ou Maurice Druon, je les confonds, ces deux-là. Ah non, Maurice Druon, c'est celui de la télé. Alors, en général, le chanteur, c'est lui qui me fait la musique. Enfin, ce qu'il appelle faire la musique, arrête. Il arrive chez moi, il me fait... Dis donc, Gabi, écoute un peu ce que j'ai trouvé ce matin en enfilant mes boots. Et moi, sous un ciel de satin... Je pleure mon destin, brûlant comme la nuit, glacé comme la pluie, allons-y, Gling. Ça veut absolument rien dire, arrête, je peux pas rien. Alors là, c'est différent. Hein. Il m'a dit, écoute, Gabi, avec toutes leurs histoires de tensions sociales, faudrait peut-être en trouver une dans le sens du vent, tu vois, quand même. Si les types pouvaient la chanter en entrant dans l'usine et acheter le disque en sortant, tu vois. Bon alors, parole de Gabi Clamart, j'ai que le début, hein. Petite fille en salopette, petite fille t'as pas l'air bête. J't'ai connue à mon boulot, oh oh, tu m'as fait perdre mes boulons, oh oh. Ça c'est pas la musique définitive, hein. La musique définitive, il est en train de la faire là. J'espère bien que cette fois-ci, il va pas me la rater comme l'autre fois. Hein. Sur le dernier CD, c'était hyper ce que j'avais fait. Je le chante à perdre la raison. Il y a trop d'injustice à la fin. Trop d'innocents dans les prisons. Il y a trop d'enfants qui meurent de faim. C'était hyper, non? Ben, à cause de sa musique, on s'est planté quand même. Vous savez pourquoi? On pouvait même pas danser dessus. On pouvait même pas danser dessus.